Voici, voilà, voici, voilà. Alors, on va vérifier tout de suite si ça fonctionne. Voilà, c'est marqué que je suis en direct, live. C'est que le son fonctionne. Voici, voilà, voici, voilà. Salut la team, comment ça va? On est samedi, on est samedi, on est quoi aujourd'hui? On est le 13, samedi 13. Est-ce que ça a un intérêt? Alors, ne t'étonne pas de me voir comme ça. Salut Pegasus, comment tu vas? Je suis encore une fois Orange Garden et je suis sur une position, la position de travail de Jean-Michel. Jean-Michel, c'est mon bodyguard, c'est lui qui m'a emmené dans les bons endroits à connaître. Voilà. Donc, ce sera la dernière matinale, avec regret, la dernière matinale à Guada, avant la prochaine, bien sûr. Mais voilà, cet après-midi, je prends l'avion, je reviens dans mes pénates. Et il paraît qu'à Paris, il va faire 10 degrés. Ça va être chaud, chaud, chaud. Enfin, plutôt, ça va être froid. Et donc, je profite encore une fois de la chaleur de la Guadeloupe. Salut Anne, comment tu vas? Salut Cathy. Salut Ronan. Ronan, toujours en convalescence? En tout cas, je te souhaite du mieux. Donc, matinale, sur le plateau du 3900, je ne sais même pas si c'est 3900, il faudrait que je demande. Mais c'est samedi, donc il n'y a pas grand monde, c'est normal. Hein. Samedi, c'est quand même un truc. À l'heure Guada, parce que là, qu'est-ce que je vais dire? Il est quoi? 10 et 6, il est 16h, presque 16h. Ouais. Il fait 26 là. Oui, je sais. Je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais. Il paraît que lundi ça va très très ça va descendre énormément. Donc voilà, je profite un maximum. Salut Mohamed, salut Laure, salut Jeuneux, comment tu vas Jeuneux? Jeuneux de la Run. Alors à la Run il est carrément 18h, c'est déjà le soir. Hein. Salut Julie, Isabelle aussi qui est là. Ouais. Non mais j'ai mis le casque, mais c'est pas avec ça que ça parle. Hein. C'était juste pour faire celui qui est sur la position de travail. Voilà. Tout à l'heure, il y a Jean-Michel et une collègue qui sont en train d'enregistrer quelque chose ici. Donc, je suis venu voir comment ça se passe avant de partir. Hier, on a eu un super after. Un after, on a appelé ça After Orange Bank. Mais en fait, c'était juste le plaisir de se rencontrer avec les ambassadeurs digitaux dans la vraie vie, dans un bel endroit, le Next. Et puis, on s'est bien amusé. Pas tellement tard, finalement. On est allé se coucher assez tôt. Enfin, il y avait une super bonne ambiance et ça fait plaisir de voir que les agrumes de Guadas font aussi la bonne fête et tout. Salut Belle de Mai, ben voilà, Belle de Mai était là et sera. Je prends des appels, tu sais, je prends des appels, oui, je suis sur le challenge du T4 pour aller au Canada. Non, 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 je ne prends pas les appels, c'est juste pour la photo, pour faire le bien comme ça, pour dire que c'est comme ça. Bonjour Belle de Mai, bientôt la reprise fin de semaine. Ok, ben écoute, beaucoup de bonnes choses à toi. Salut Julie, Mohamed, Laure. Je ne sais pas combien d'agrumes on est. Je sais pas combien d'agrumes on est arrivé. Je sais qu'il y a eu beaucoup qui se sont inscrits. Je n'ai pas pu eu le temps de valider tout le monde parce que j'ai pas une très très bonne connexion. Voilà, en tout cas, je vais commencer. Bah écoute, je vais te faire un tour du truc. Alors attends, je mets ça comme ça debout. Voilà. Bon, c'est un plateau comme tous les autres. Pour ceux qui ont suivi la soirée hier, voici Maître Gims, il est là. Voilà. Ouais, il manque les lunettes. Attends, il va chercher les lunettes. Voilà, parce que lui, quand il est arrivé hier à l'after, comme ça, voilà, quand il est arrivé comme ça hier soir, c'était tout de suite. Je me suis dit, le gars, il est en place. Oui, Voilà, et l'équipe, voilà, voilà, les deux acteurs, donc Jean-Michel. Et j'ai pas repéré le nom de Laurence? Oui, c'est bien. Voilà, Laurence et Jean-Michel qui vont nous faire le petit truc tout à l'heure. Ça va être en béton armé. Donc voilà, je te montre derrière. C'est vraiment un plateau. C'est 3900. L'ATH, oui, 3900. ATH, assistance technique home. Parce que j'ai décidé de ne plus utiliser de synonyme de machin. On va dire directement les mots. Assistance technique home. Voilà. Bon, je reviens sur cette position pour te dire que, écoute, ça va se terminer tranquillou. Bon bail et bon courage pour l'avion et le retour au frais. Bien sûr, merci beaucoup. Je ne te dis que je danse bien le zouk. Oh, c'était un petit plaisir. Moi, à chaque fois qu'il y a un groupe qui joue en live, j'ai toujours la nostalgie de dire, allez, vas-y, chante. Salut Sabrina, salut Nicolas Gott, go.
Belle de mai, là. Allez, on y va pour les anniversaires, parce que bien entendu, je ne souhaite pas que tu perdes beaucoup de temps dans le replay. Et puis, on va quand même, je vais laisser quand même les collègues tourner leur truc. Donc, aujourd'hui, hommage au coq. Est-ce que tu as vu ce que j'ai mis sur le coq qui m'a réveillé? Ça fait 2 jours, 2 matins, qu'à 5h30 du matin, il chante, il chante, il chante. Hein, même pas, il veut me laisser dormir. Je suis passé à côté de lui, je l'ai pris en photo. Mais il est fini, il est leste. Hein. J'aurais dû prendre la vidéo, tu as vu comment il s'en va à toute vitesse. Tiens, j'ai plus besoin de ça. Merci madame, au revoir. Je ne sais même pas si ça se charge, ouais, c'est bon. Voilà. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Fanny Pimpin, à Jean-Baptiste Leroy, à Sylvie Thomas, Élodie Fèvre, Audrey Angélica Milhomme, Sébastien Coroma, Elisabeth Denis, Patricia Rouy, Philippe Cardozo, Lucas TNB, Alex Tech, Chachikant, Fred Evenfollower et Fred Vergèze. Voilà. Vous prenez un an de plus, hein, les garçons et les filles. Donc maintenant, vous êtes sages. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et fais ce que tu veux, où que tu sois, où que tu ailles, tu fais ce que tu veux. Bonne fête aussi à tous les Géraud, parce que, bah, Géraud, je ne connais pas de Géraud. Enfin bon, voilà. Si tu t'appelles Géraud, sache que c'est ta fête aujourd'hui. Et tu as le droit aussi, toi aussi, à une petite coupe de champagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe hier? Eh bien, toute la journée, on a fait des démonstrations Orange Bank dans plein de sites, enfin plein de sites, plusieurs sites sur la Guadeloupe, avec toujours un super accueil. Comment dirais-je? Salut Régine, salut Aurélie. On sent que les agrumes sont intéressés par le produit, posent des bonnes questions, etc., etc. Je pense que ça va être quelque chose qui va exploser ici. Et je vais te dire une chose de toi, moi, hier soir, pendant l'afterwork, on a continué à en parler et j'ai même fait 3 parrainages. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, mais tu vas faire des parrainages, t'as fini tes 10 parrainages. Moi, les parrainages, je ne les fais pas pour l'argent. Je fais les parrainages parce que je crois au produit. Et donc je dis, voilà, si ça peut pousser un petit peu, j'y vais. Voilà. Donc à part ça, ben, pas grand-chose d'autre. Je n'ai pas trop vu quoi. Attends, je vais sortir de là. Je vais regarder le groupe, voir qu'est-ce qu'on s'est dit dessus. Ouais, beaucoup d'entraide, hein. C'est vrai que j'ai l'impression. Voilà. Ouais, beaucoup d'aide, beaucoup de boulot. Le décodeur, beaucoup le décodeur, on en parle, le nouveau décodeur. C'est vrai que j'ai hâte, j'ai demandé à Benjamin s'il pouvait nous faire un test du nouveau décodeur, qu'on puisse voir un petit peu ses qualités et ses défauts, et ce qu'on gagne en plus ou en moins sur le truc. Bon, les nouvelles offres aussi, j'aimerais bien faire un petit live sur les nouvelles offres. Et tout le monde y gagne dans les parrainages, mais bien sûr. Surtout que on va, je crois qu'en tout cas ici en Guada, on a rajouté le côté donc 80 euros plus 40 de clients Orange ou Soche plus 40 de salariés. Donc quand même, ça ne se refuse pas. Et puis le parrain, bien sûr, prend ses 50 euros à hauteur de 10 parrainages, pas plus. Oui, alors j'ai vu le collègue qui a les kayaks sur sa voiture, mais je vois souvent, c'est quelqu'un qui est très très souvent en train de faire du kayak, très sportif, hein, le jeune homme. Salut Martine, comment tu vas? Salut Chris Moby. Groom du jour. Ah oui, j'ai vu un poste. Un collègue est passé de AD à GDT. Je ne savais pas que cette transition existait. C'est-à-dire que tu puisses, j'ai pas très bien compris, tu quittes une AD pour aller bosser à la GDT. C'est très rare. Je suis curieux d'ailleurs de savoir comment ça se passe. Ouais, sinon, ah oui, Lalou qui fait du théâtre. Alors, je ne sais pas si c'est ce soir ou si c'était hier soir. Elle était super belle dans sa belle tenue, dans sa pièce de théâtre avec son fils. Ça mérite d'être vu. Franchement, j'espère qu'il y aura une captation ou qu'un jour on pourra la diffuser sur la communauté des agrumes, comme ça, histoire de dire, ben voilà, on voit ce que. T'as eu tes 80, mais toujours mes 40. Alors, les 40 euros de clients Orange, j'espère que tu as bien utilisé ta facture Orange comme preuve de domicile, comme justificatif de domicile. C'est beaucoup plus rapide. Sinon, effectivement, c'est un peu plus long. Et les 40 euros de salarié, il ne faut pas oublier d'aller mettre ta ligne dans le kiosque. Ça, c'est très important. Enfin, pas ta ligne, mais le numéro de compte. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et après, ça va venir. Eastview, ah oui, j'ai vu ma tititi, ça m'a fait, ah, ça m'a fait deuil, comme on dit. Ça m'a fait vraiment triste parce que ma tititi qui a quitté son site pour arriver à Eastview, et bon, bah, j'étais, voilà quoi, Eastview, elle est arrivée, elle est un peu perdue et tout. Enfin, promis, je vais faire un. Je ferai. On peut se dire bonjour, il n'y a pas de souci. Mais oui, non, mais il n'y a pas de problème. D'accord, Salut. bonjour.
Ah oui, c'est la vraie vie, hein, c'est un plateau qui vit. Ouais, ma tititi, faire une petite matinale à East View, tranquille, pour ben voilà, pour t'encourager à arriver dans ce site. C'est vrai que le tien était un peu plus petit, là, East View, 23 étages, beaucoup de monde, 6 ascenseurs, même les ascenseurs, ils se ferment pas. Personne t'avait dit qu'il fallait prendre la destination à l'extérieur. Non, mais bon, voilà, on va essayer de rectifier ça tranquille. Après, ben non, la trottinette, j'avais vu. Michael qui est toujours à fond sur le projet. Ah oui, Leïla qui a eu un problème pour ouvrir un pont téléphonique qui était au nom de quelqu'un qui bosse plus chez Orange, enfin qui est à la retraite ou en TPS. Ben Juliette, PLS. Des mecs de la PlayStation. C'est pas, en ce moment, il n'y a pas de, ça rigole pas, hein, tellement sur le groupe. Hein, c'est vraiment devenir de l'entraide, de l'entraide, de l'entraide. Voilà. Moi, j'aimerais bien. Il va falloir qu'on refasse un petit peu le truc. Ah oui, Sonia qui parle d'un groupe, de ceux qui quittent les groupes. Ou qui sont virés. Pourquoi pas? Pas mal. Il y a toujours plein d'idées, il y a toujours plein de trucs qui traînent sur Internet, c'est comme ça. Voilà. Bon, bah sinon tout va bien, quoi. C'est la vie qui continue tranquillement. Dès la semaine prochaine, je crois que demain, dimanche, bah, ça sera une matinale au calme. Je pense que je vais être bien jetlagué, mais bon, ça c'est normal. Salut Noël, salut Nicolas. Et puis lundi, j'ai un rendez-vous dans une ruche. Alors qu'est-ce que c'est une ruche? C'est un espace où les gens réfléchissent à des choses. Voilà, ruche, ça veut dire qu'ils bossent quand même. Et donc j'ai rendez-vous parce que la ruche où je vais, qui doit être dans Paris 19e ou 20e, Orange est partie prenante pour aider les porteurs de projets et tout. Et moi, ça m'intéresse. Et donc je te ferai ma matinale depuis la ruche. Voilà. Et puis sinon, tout le reste, c'est du normal, hein. Rien d'étonnant. Attends, je reviens sur le direct pour voir les questions. C'est pas évident, hein, de retrouver. Voilà, j'arrive là. Après, quand je remonte le direct, je recommence à zéro. Salut Loïc, comment tu vas? Régine a dit oui, ma facture de ligne internet, ok. Les 40 euros, c'est un petit peu plus long. Je sais qu'au démarrage, je crois qu'on avait attendu presque 2 mois pour les avoir. Bon, ceci dit, n'hésite pas, ce que tu fais, et moi je le conseille à tout le monde, quand tu as le doute, tu poses la question à Jingo. Je pense que pour les 40 euros de client Soch ou Orange, il va te mettre en rapport avec un conseiller. Et à ce moment-là, ben, tu auras ta réponse. Forcément, tu auras ta réponse. Salut Joël, comment tu vas? On a fait un petit peu. Ce matin, j'ai fait 2 enregistrements vidéo pour vous envoyer un coucou aux modos. Les modos qui ont toujours une petite vie parallèle, ça m'épate, ça. C'est toujours, voilà, on sait qu'elle est telle. Olivier, il doit être au foot. On est samedi, il doit être au foot avec le petit. Mastou au cheval avec sa petite. Et puis voilà, on prépare les. Comment ça s'appelle? Les barbecues. Tout le monde y gagne. Jeuneux, coucou Sabrina. Bye bye, bon courage. Joachim, tu danses bien le zouk, etc. Ah, j'ai pas. Ah oui, d'accord, je ne peux pas remonter plus loin. Voilà. Bon, bah, j'ai pas tellement grand-chose d'autre à dire. Ah oui, tu as remarqué, je n'ai pas fait de VDS et ça fait 2 semaines, évidemment. À chaque fois, je suis entre 2 avions ou alors je n'ai pas tout à fait le réseau ou je n'ai pas tous mes outils. Ce que je vais faire, c'est que je ferai un beau récapitulatif la semaine prochaine, que je serai un petit peu plus au calme avec la partie Bermude, la partie Guada et puis. L'événement de la semaine prochaine. Et oui, je fais un teasing déjà. La semaine prochaine, il y a un événement. Je te dis un secret, c'est le 16 à 16h. Voilà, retiens ça. Bon, on se dit à très bientôt. Ça me fait bizarre, je te parle que tu es déjà en fin d'après-midi alors que moi je suis dans le matin en pleine, voilà, en début. Mais bon, il n'y a pas de souci. On se retrouve demain, profite bien de ta journée, fais ce que tu as envie de faire et surtout ne refuse pas le bonheur. Bye bye!